cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kakashi. Ça sera un combo guide. Je vais vous montrer le vidéo guide comme ça, comment placer l'éclair profondeur ainsi que les outils ninja et l'incliné. L'incliné, c'est ça. Je vais d'abord présenter l'incliné. Alors, l'incliné, c'est un kamui. L'incliné, pour ceux qui savent pas, c'est deux sticks orientés vers le bas rond. Très compliqué à faire, enfin, pour ma peine. Vous voyez, ça enlève un tout petit peu de vie. Ça peut contrer les attaques ultimes. Ça peut contrer les attaques ultimes, les attaques spéciales, ainsi que ceci. Et le Chidori de Sasuke. Donc ça peut... Sauf, il y a un truc que c'est très compliqué à contrer avec tout ça. C'est les attaques en équipe. Vous savez, 3 fois triangle rond. C'est très compliqué à contrer. Ça enlève aussi un petit peu de vie. Mais bon, je vois pas à quoi ça sert d'enlever de la vie comme ça. Surtout que c'est juste... Oh, ça peut peut-être emmerder votre adversaire de le finir comme ça. Vous arrivez. Hop. Comme ça. Et hop là, vous le finissez. Sinon, il peut contrer les shurikens, les attaques spéciales et ultimes, ainsi que les parchemins. Et ça, je sais pas comment ça s'appelle. Les shurikens qui lui foncent dessus. Après, il y a comment placer le Raikiri. Et pour placer le Raikiri, il faut connaître les combos. Alors, les combos, je vais vous les montrer. Sans incliner le stick. Incliner le joystick vers la droite et vers la gauche, ça sert à rien. C'est comme si vous l'incliniez pas. Vous voyez, vers la droite, ça fait exactement pareil. Et vers la gauche, pareil. Par contre, vers le bas et vers le haut, c'est tout autant différent. Donc, je vais filtrer vers le bas. Vers le haut. Et vous pouvez continuer avec une roue de chakra. Donc ça, ça passe comme un entraînement. Car l'adversaire peut se relever. À part s'il veut pas se relever, s'il n'y arrive pas. Vous pouvez attaquer. C'est toujours des dégâts. Donc pour placer le Raikiri, c'est très simple. Faut pas penser qu'il faut juste le faire après la roulette. Non, ça sert avec. Après le salto. Parce qu'après le salto, ça fonctionne pas. Vous voyez. Et là, il pense faut le faire là. Mais non, faut le faire après. Ça. Non, pas ça. Faut le faire après ça. Vous voyez. Donc, vous faites. Après le petit. Le petit Raiton, vous. J'enchaînais avec un éclair profondeur. Et si le gars tient un spermute à ce moment là, si vous le faites, il va se retourner automatiquement. Regardez. Il se retourne et boum. Il fonce dessus. On va voir sa portée. Normalement il a une longue portée. Elle est quand même longue sa portée. Après il y a la chaîne de foudre si vous êtes vraiment loin. Ah, le chakra. Chaîne de foudre. Très longue portée. Voyez bien. Hop. Et s'enlève beaucoup. Celle-ci, je n'ai pas de combo pour la placer. Il faut la charger. Vous pouvez faire ça pour finir vos adversaires. Hop. Finissez comme ça. Le Yugi Council, ça passe avec l'autorité divine et le Susanoo éclair profondeur divin. La première, je suis pas très sûr. Le mieux, c'est avec autorité divine. Parce que ça passe en dessous de ses pieds, c'est meilleur. L'autorité divine, c'est comme l'incliné, mais en mieux.
Donc voilà, je vais vous montrer, c'est exactement pareil. Moi je le fais avec le sous américain. C'est exactement pareil que l'éclair vert. Voilà. Là je vous ai montré les combos et tout. Non, je vais vous montrer les combos que j'aime bien faire. Si l'adversaire ne se relève pas. Ouais, j'aime bien faire ça et continuer en faisant une relève de chakra. Il y a ça aussi que j'aime bien faire. Ça passe pas tout le temps, mais c'est cool. Vous voyez, faut avoir le bon timing. Là, ça c'est stylé, il faut rattraper. Il y a aussi les chops sur Kakashi. Ça chope, c'est ça d'ailleurs. Voyez, hop, hop. Donc à la limite, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est combo duo. Et essayer de rattraper l'adversaire en vol, mais c'est compliqué. Moi je préfère tout en plus le Raikiri. Même si c'est très compliqué à placer. Je préfère le Raikiri en faisant ça. Vous voyez, faut vraiment avoir, faut pas qu'il tombe au sol, mais en même temps faut qu'il soit près du sol. Ah, le chakra. Bon, si vous avez, si vous réussissez à le faire, c'est vraiment, vraiment chouette. Mais bon, si l'adversaire se relève, je préfère vous prévenir, ça sera impossible. Bon, voilà. Donc, je refais le premier. Vous voyez, là il s'est relevé par malchance, donc j'ai pas pu continuer et je vous fais le deuxième. Voilà, la chope c'est encore plus compliqué, je préfère même pas essayer. Donc l'incliné, rappelez-vous, l'incliné pour esquiver les shuriken et les jutsu, pas pour les attaques en équipe. Le combo duo, il peut servir à continuer avec une roulette chakra ou à rattraper avec un raikiri. Pour placer le raikiri, et le yugi cancel. Merde. Le yugi cancel aussi, c'est pareil que le raikiri. Si vous voulez faire des dégâts en faisant vos combos, utilisez le combo du bas, je trouve qu'il fait des dégâts, il fait beaucoup de dégâts. Donc utilisez le combo du bas. Si vous voulez placer le Raikiri, bien comme je vous ai montré, pareil pour lui, il cancel. Donc maintenant je vais vous montrer un combo qui peut être très efficace quand votre adversaire n'a plus de permute et qu'il a encore beaucoup de vie. C'est après la roulette, après le salto, encore rond, donc ça fait le raikiri, et encore une fois rond, ça fait le katon. Donc juste après le katon, soit vous faites une roulette chakra, soit vous faites double X. Donc je vais vous montrer avec la roulette chakra et le double X. Vous voyez, juste après ça. Vous voyez, le chakra, ça fait beaucoup plus de dégâts, je trouve. Voilà. Voilà. Bon. C'était mes combos avec Kakashi. Combo guide, Yugi cancel. Il y a aussi les feintes qui sont efficaces avec Kakashi. Donc maintenant que je vous ai montré les Yugi cancel et les combo guide, il y a aussi les feintes. Vous voyez, on peut faire ça. Donc on va s'éloigner.
Ça va tellement vite avec l'éclair profondeur après une feinte que ce sera compliqué pour l'adversaire de l'esquiver. Donc voilà, avec les feintes, il y a aussi le double X. Voilà, je vous ai montré tout ce que je sais sur Kakashi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera à devenir plus fort. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo.